Ah là là, là là là. Salut, c'est Dr. Wiz. Vous êtes sur quoi.fr? Jackass. Ah. Dr. Wiz, DJ international, pas mal en France quand même, hein. Mais international quand même. Ouais. Ah, j'ai toujours aimé ça. Il y avait un DJ, cousin de mon père qui était DJ. Après, je voyais les DJ, bon, j'adorais ça. Bon. Donc, du coup, petit à petit, musique, machin, copains, soirée, un peu d'argent, machin, acheter des platines, faire le DJ dans des boîtes, dans des clubs, dans des bars, avec des groupes, avec plein de gens, à la radio, DJ quoi. Non, non, pas le club des losers, c'est plus des copains, donc cuite aussi, bah, pas mal de cuite partie, ouais. Puis bon, bah, DJ avec Gérard, depuis presque 10 ans tous les deux, là, sur les routes, sur les festivals. Au début, on avait fait des mixtapes ensemble, on a fait le Japon, tu vois. On a fait pas mal de. On a fait la Suisse, on a fait la Belgique, on a fait toute la France de long en large, en travers, donc. Et avec Stupéflip aussi, pareil. Au début sur les albums surtout, et puis après, à partir de 2011, quand ça s'est remis en route, bah, on est parti en tournée. Et voilà, on a enchaîné 3 ans de tournée de dingue. Puis depuis, on n'a rien fait, on a fait la flip party là à Paris. Mais c'est tout parce que. C'est pas les mêmes écritures. C'est proche, mais c'est totalement différent. Hein. Et justement, tous ces groupes-là, de cette scène un peu hip-hop alternative, que ce soit La Caution, Club des Losers ou TTC, ainsi de suite, ils étaient tous charmés parce que, en fait, finalement, ils étaient tous eux-mêmes, en fait. C'était des mecs hyper sérieux, justement. Ils s'attardaient sur plein de petits trucs et chacun avait son univers. Et finalement, quand tu écoutes. TTC, c'est pas Zwinkels, c'est pas Stupéflip, et c'est pas le club des losers, même si, tu vois, il y a des gars dedans, enfin, ou La Caution, ainsi de suite. Et, enfin, il y en a plein d'autres, je cite les plus parlants. Bah non, parce que là, de la TTC, en ce moment, ils sont en tournée, là, ils font leur 20 ans aussi, ou je sais plus, leur 10 ans, enfin, ils fêtent un anniversaire, là, en ce moment, ils tournent, ils font le Sound System, ils vont à droite à gauche, les Zwinkels, là, ils se reforment, ils ont rempli l'Olympia en une journée. Concert sold out, là ils annoncent 15 dates, des nouveaux titres, tu vois, ça va, tout le monde va bien quoi. Enfin, La Caution il tourne, non, ça va quoi. Les choses se mettent en place, mais il y a moins de visibilité sur les artistes 90, début 2000 que sur la nouvelle génération 2010, 2015. Puis il y a aussi ce matraquage de rappeur à l'hélium, quoi, tu vois, donc. Ouais, bah, je bosse plus ou moins sur un album, mais vu que bah, c'est pareil, moi, tu sais, je suis en indé, hein, même si je bosse avec plein de gars, tu vois, je suis en indé quand même. Et pour le moment, je bosse sur des singles, quoi. Là, j'ai plein de sommaires, je suis en train de voir qui je vais avoir dessus, qui a le temps de venir. Et tout le monde a des actualités, tu vois. Réussir à les choper, hey, viens au studio, machin. Bien posé, puis être au bon moment au studio, enfin bref. C'est un peu le bordel en ce moment, donc là j'ai lancé 2-3 trucs sur 2-3 projets sur 2-3 singles là, et je vais voir lequel va sortir le premier quoi. Ouais, les influences musicales, ça va vite, hein. C'est Chuck Berry, Black Sabbath, Depeche Mode, Front 242, Kraftwerk, Sister of Mercy, Public Enemy, Beastie Boy, Giorgio Moroder, tu vois, enfin, c'est un peu tout, quoi, et tout ce qui est bien, quoi, finalement, c'est ça, moi. Après, j'essaye de faire des trucs rap avec des trucs un peu pop ou rock, machin, tu vois. Je suis pas trop à fusionner, tu vois, Dalida avec Daft Punk, je m'en fous. Sleaford Mods. Sleaford Mods, le meilleur groupe de la Terre. Deux mecs, deux Anglais. De Cockney, là, je sais pas, ils sont complètement ouf. Hein. C'est hyper violent. Et à la fois, tu t'y attends pas, quoi. The shit homegrown dealers of Berlin begging for lolly. And it's beautiful how the privilege still let them in. C'est un mec avec un ordi et un autre qui braille dans un micro. C'est charmant. Parce que c'est une fois de plus produire mieux l'Angleterre, quoi.
Voilà, un truc totalement dingue, quoi. Pierre Isadora avec Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall.